Et on peut repartir. Elles sont prêtes pour ça. Oh, il veut quoi ce frérot là? Il veut quoi ce frérot? Normalement là, tout va mieux. Voilà, nickel. Let's go. Je peux m'occuper du gros tout seul. Aïe, 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 aïe. Attendez, on va remonter. Vol, s'il te plaît. Ils volent plus? Ah si, quand même. On est en full spam. C'est la seule technique qu'on a trouvé pour le tuer vite. Et c'est quoi ce bouclier de mort là? Ah oui, Iron Man, bien joué. Quelle originalité. Et après, tu vas me piquer ma coiffure. Alors, pour voyager vers un autre royaume dans un couloir. Quoi? Dans un couloir d'énergie? Comment ça, c'est quoi là le. Quel est l'objectif? Je suis là. Et lui n'est plus là. Vamos, victoire. Ah non, pas victoire, on s'écrase en fait. Ah, sur la ville en plus. Let's go. Nouvel objectif. Ok. On spam. Let's go. On va s'écraser quand même. Non, c'est bon. Incroyable. Heureusement que t'aurais là. Hein. Il est revenu de ne sait trop où, mais. Il est là. On peut pas s'écraser dans la tour de l'IM par exemple. Complètement perdu l'esprit. Ah, le fils prodigue est de retour. Vous avez presque anéanti tout Manhattan. Eh, hey, nous donne pas de leçons. T'étais où quand ça a commencé à mal tourner? J'étais en train d'expier mes fautes. Pas d'en commettre d'autres. Eh, hey, les gars, tu calmes, ça va aller. Respirez un grand coup. On voulait empêcher l'expérience IM et montrer le vrai visage de Tarleton. Bon, c'est encore mal tourné cette histoire. Hein. Ces adaptoïdes qu'il crée. Ils récupèrent leur pouvoir en torturant des inhumains. Ils les exposent à des doses quasi mortelles de terrigène noire. Et c'est la première étape. Notre cher George s'équipe pour faire la guerre. Oh, il est stylé, histoire comme ça. Kamala a trouvé certaines preuves révélant ce qui est arrivé à Steve. Salut. Tous les héros doivent commencer quelque part. On s'en souvient dans l'intro. Ouais. Montre-moi ces preuves. Ok, Jarvis. Tu as fini? J'ai pu décrypter les données. La vidéo continue. Oh oui. On a la fin là, ça veut dire? Il faut qu'on éteigne le réacteur. Il nous attire vers cette signature thermique. J'ai essayé, mais impossible de retirer le cristal. Oh, t'as le dos de ce connard. Alors sortez. Scellez la porte. Quoi? George, sortez. Non. C'est pas possible. Ah. Au pont de commandement. Quoi? Évacuez, vite. Non, Cap, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Arrête. Wesh. Ah bah c'est sûr qu'il est mort hein. Mais du coup il a rien manigancé. Ha. Détruit le réacteur. Il devait avoir une raison. Mais laquelle? Des centaines de gens ont été infectés et d'autres sont morts. Calme-toi un peu. Toi, prends tes responsabilités, Tony. Voilà le boss que je connais. Continue d'accuser les autres, t'as raison. C'est pas le moment. Non, laisse-le dire, Nat. Je sais qu'il attend que ça depuis Acre Doré, pas vrai? C'est pas vrai. C'est notre faute. À nous tous. Pourquoi tu refuses de le voir? Eh, hey, ce que je vois, c'est que tu crois vraiment à toutes ces conneries que t'as déballées à l'audience. Je crois que nous sommes dangereux. Et tu penses que le monde se porte mieux sans nous? Oui. Bah oui, bien sûr. Je vois que vous n'avez pas changé. Regarde-la. Le mal est fait. Je peux pas la guérir. J'ai fait des expériences, j'ai vérifié son ADN encore et encore et encore. Toi et moi, on a créé la maladie ultime. Non, j'ai fait le boulot. J'ai pris les décisions difficiles. Ne...
J'abandonne pas les gens qui ont fait de moi ce que je suis. Pas un mot de plus. Qu'est-ce qui t'arrive, Bruce? Une crise? Ça a toujours été un problème. Et tu as peur de qui tu es. Ce que tu es. C'est à cause de ça que Monica a pu te manipuler. Ah, let's go! Je suis d'accord avec toi, mon grand. Ce banner est à la chute. Reste en dehors de ça. Bien mieux. Ok, là on fait quoi nous? Alors, nous y voilà. Je suis toute seule. Pas tout à fait, mademoiselle Khan. Ah, Jarvis, yes. Jarvis, j'imagine que tu peux continuer à faire voler ce truc? Pour un bon moment, oui. Ah, tu me rassures. Bien joué, Jarvis. Heureusement que Jarvis est là. Hein. Ok, nous on fait quoi du coup? Bon. On est toute seule dedans, le truc est à moitié mort. Ils sont passés où tous les mecs du Shield et tout? Ils sont pas tous morts? Je peux pas juste abandonner. Ça peut pas finir comme ça. C'est trop. Ah ouais, non, lui ils vont dire c'est notre faute encore, je l'écoute même pas. Jarvis, même pas, je l'écoute. Est-ce qu'il y a un enregistrement de l'interrogatoire de Monica par Bruce? Certainement, mademoiselle. Vous pouvez y accéder dans la salle d'interrogatoire. Si je puis me permettre, mademoiselle Khan, qu'espérez-vous trouver dans cet enregistrement? Mais du coup, Monica, elle est toujours enfermée dans la salle, genre? Ah, chier. C'est quoi ça? Maintenir. Ok. On dirait que les agents du Shield ont tout fait pour les repousser. Eux, au moins, ils ont le sens des priorités. Ah, c'est clair. Ah, mais c'est quand même enfui, du coup. C'est ça? Ah, ouais, c'est quand même enfui. Bon, tant pis, hein. Ok, maintenir. Elle est cassée. Bruce était furieux. On a bien vu, hein. On a bien vu. On fait quoi maintenant? Oui, c'est vrai, il faut aller revisionner l'interrogatoire. Voir ce qui s'est passé entre Monica et Bruce. Il me semble, hein, que c'est ça. Ah, est-ce que notre main va passer? Oui. Ok, alors revisionnons ça ensemble. Maintenir, let's go. Ok. Les vidéos des interrogatoires. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Un indice de quoi? On cherche quoi là? Laisse-moi deviner. Oh, Monica. Ah non. Vous préparez un coup d'éclat pour le lancement de l'adaptoïde. Allez, Monica, donnez-moi un indice. Fouillez la Terre. Vous ne trouverez jamais le labo. Parce qu'il est dans l'espace. Lancez, Bruce. Sauver le monde exige des sacrifices. Ça sert à rien. Et si fouillez la Terre, vous le trouverez pas. C'est-à-dire que c'est dans l'espace. J'aimerais tellement parler à mon père. J'appelle Yusuf Khan. Non, Jarvis, c'est parce que... Bien joué, Jarvis. Peter, c'est toi. Champion, Jarvis, bravo. Oh là là. Kamala, si tu es là, tu me manques tellement. Je ne suis pas en colère, j'aimerais que tu rentres à la maison. Pourquoi il a une voix de robot, son père? Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te dire de cacher tes pouvoirs. Tu as peut-être peur. Tu es peut-être inquiète. Peut-être. L'important, ma fille, c'est que tu restes toujours fidèle à toi-même. Je t'aime, Beta. Je t'aime encore plus. Tu. Ok, que devons-nous faire maintenant alors? Fouillez la Terre. Vous ne trouverez jamais. Et voilà, parce que c'est dans l'espace.
Fouillez la terre. Vous ne trouverez jamais le labo. Fouillez la terre. Fouillez la terre. Donc fouillez l'espace. Oh, c'est pas dur à comprendre en vrai, elle a pas fait d'effort. Mais oui, bien sûr. Exactement, exactement. Champion. Je crois qu'il n'y a plus d'Avengers avec nous, quoi. Ils sont tous barrés, ces connards. Avengers, si vous m'entendez, je crois que j'ai une piste. Écoutez, je sais que j'ai pas assuré. J'en voulais tellement à l'AIM pour ce qui m'était arrivé au Heyday que j'étais aveuglée. Mais Cap devait avoir une bonne raison de faire ce qu'il a fait. J'en suis sûre. Ah, du coup, Cap est vraiment mort. What the fuck? Moi je pensais que c'était un prank au début. En fait, non. Les gens ont foi en les Avengers. Évidemment. Pas juste pour vos super pouvoirs, mais parce que même si ça va. Parce que Tony Stark est stylé. Même si vous êtes. C'est ça qu'on les aime bien. Vous finissez par vous rassembler. Vous voyez pas. Vos différences sont votre plus grand super pouvoir. Avengers rassemblement, n'est-ce pas? J'étais qu'une gamine de Jersey, bizarre et mal intégrée. Mais vous avez vu qui j'étais réellement. Vous m'avez acceptée. Il y a toujours un méchant qui menace la planète. Mais nous pouvons l'arrêter. Du coup, Monica s'est enfuie, non? Son combat était tellement chiant. Le bien. Tout ça pour qu'elle s'enfuie. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Exactement. Bien joué, Kamala, bien joué. Oh, c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que c'est? Ah, Hulk. Ah, Bruce, du coup. Pas Hulk. Nuance. Lui, je comprends pas. Il se transforme. Il n'avait pas cette veste. Il revient. Il revient en Bruce, il a une veste qu'il avait pas avant de se transformer. Je ne comprends pas comment c'est possible. L'altitude, les yeux secs. Bon, je suis pas très doué pour. Bien joué, voilà, de l'eau dans son vin. De l'eau dans son vin. Il a parlé de ses lunettes? Pareil. Alors. T'as trouvé une piste? Oui, on a trouvé une piste. Oui, dans l'interrogatoire. Fallait écouter, hein. Et Black Widow. Écoutez. Thor et tout. Fouillez la terre. Vous ne trouverez jamais le labo. Monica dit vrai. D'accord. Il n'est pas sur Terre. Je te suis pas. Eh ben, quand ils m'ont capturé, Monica et Talton se sont disputés. Talton a dû sortir de la pièce. Et ensuite, Monica a sorti les coordonnées d'un satellite appelé Ambrosia. Ambrosia? C'était un projet de recherche médicale du SHIELD. Ça ne l'est plus. L'AIM a dû l'acquérir lors du rachat. Ce serait l'endroit parfait pour cacher des preuves d'expérience. Attends, mais sur les coup, l'AIM... Ok, ils ont remplacé Stark Industries, mais ils ont aussi racheté le SHIELD. Si on veut pouvoir What étudier les inhumains au niveau les mecs sont... Les gars sont au-dessus du monde, quoi. Environnement idéal. Ok, bon, let's go, hein. Allez, il nous faut juste un moyen de nous y rendre. Le projet Starboost, monsieur. Exactement, bien joué. Heureusement que Jarvis est là, hein. C'est un peu avec ça. Je sais. Pas la peine d'ennuyer tout le monde avec les détails. Et tout ça, c'est avant que je connaisse notre expert en fourmis. Jarvis, appelle Bim, s'il te plaît. Ah, monsieur Ant-Man, s'il vous plaît. C'est le seul qui peut nous aider. Ok, donc là, on l'appelle. Non, on l'appelle pas. Faut faire quoi? Alors, 74% d'avancée, ok. Alors, hop, et nous, du coup, c'est la mission Avengers qu'on va chercher. L'AIM est à deux doigts de découvrir la fourmilière. Le docteur Pym tente de terminer une arme incroyable qui pourra la sauver. Si les Avengers acceptent de l'aider, il fera le nécessaire pour que l'armure Starboost soit opérationnelle. Let's go! La fourmilière dans la tourmente. On va aller sauver le docteur Pym, soit Ant-Man. Une simple visite de courtoisie. Tout à fait.
j'aimerais courtoisement utiliser tes particules de PIM pour tisser un accélérateur. Dans ce cas, tu vas devoir pénétrer dans un complexe sécurisé de l'AIM. Méridian, ça te parle ? Ça va pas être facile. Cet endroit est une vraie forteresse. Widow ? Black Widow. Je dois dire que tu mâches pas tes mots quand tu te mets en rogne. Écoute, Nat. On a été stupides. Je suis... C'est bon. J'adore te voir ramper, mais on a du boulot. Je peux nous faire entrer dans Méridian. Nous ? On est toujours une équipe, non ? Pas de temps à perdre. Ok, bon, let's go. Rentrons dans Méridian. Lançons la mission, ne perdons pas de temps. C'est quoi avec Iron Man là ? Bon. L'AIM a confisqué toutes mes recherches. Tout le monde est là. A été capturé. Sauf Thor. Thor, c'est vraiment ce gros feignant. Mais ça risque d'exposer la fourmilière. L'AIM sera en mesure de nous localiser. Vous devrez faire vite. Alors on fonce et on détruit la base. Let's go. J'ai infiltré l'AIM pendant des années, mais j'ai jamais réussi à voir Méridian. On dirait que tu vas enfin avoir cette chance, Nat. Je vous envoie les coordonnées de l'entrée du poste d'hypercircuit. Allons-y. Alors, combien de bases de recherche ? Ok, let's go ! Alors, c'est juste à côté, hein. Heureusement que là on a... Oh, petit coffre. Petit coffre. Un point de compétence, c'est quoi ça? Ok, genre ça. Ok, genre ça. Ok. Bon, ouvrons ce coffre. Maintenir. Unité, tété, ok. Bon. Rejoignons la fameuse base de l'AIM, comme d'hab. Qu'on a dans le crâne, mais ces particules de PIM sont instables. Au mieux, s'il arrive à les faire fonctionner, ça nous facilitera grandement la tâche. Alors, prions pour un miracle. Vous savez que je vous entends toujours, hein? Ah non, Nat, pas encore. Désolé, on change de canal. Ok. Il faut aller dégommer les mecs Kala parce que... pose-toi s'il te plaît, voilà. Ok, lui est dead, il va tomber dans le vide de façon. Ok, c'est tout? Qui nous tire dessus encore? Mais du tout, il sort lui. Bon, Hulk est parti s'en occuper apparemment. Voilà, il est dead. Black Widow, elle fait quoi? Ok, c'est bon. C'est bon, tout le monde est mort? On peut reprendre notre route? On peut reprendre notre route. Ok, où ça? Ah oui. Voilà le poste d'hypercircuit. Il est protégé par un champ de force. Détruisez sa source d'énergie et pas de sous. Leur système et appeler un on s'occupe de ça. Allez, let's go. Toi. Ton pote il est dead, toi ça va partir sans dead aussi hein. On prend juste la petite vie qui est ici. Hop, petit coffre on prend. Bon mais il est trop chiant lui. Ce qu'il mérite celui-là, il était trop chiant. Ok. Ok. Ah, de l'autre côté peut-être. Ok. On va frapper dedans, ce sera moins chiant. Ok, c'est plus chiant. Hop. Bon, ça se présente. Et voilà. Je m'inquiète. Leur système de sécurité est plutôt coriace. Il me faut plus de temps. Compris, on a besoin de ce train. Enfin, c'est quoi là qui nous attaque en haut, toi? Tu m'avais manqué, tu m'y rayon. Ok, là on va faire quoi? Là on va faire spawn sa super attaque. On monte dans le robot. Et là ils sont tous dead. Là c'est la fin pour eux. Là ça part sur... Bah sur de la mort, hein, vraiment. On peut appeler... Voilà. C'est un peu le Hulk Iron Man.
Ok, on est tous invisibles. Merci Black Widow. Oh, par contre la caméra de ce jeu est en pété, c'est trop. Le jeu est bien mais alors la caméra du jeu. S'abonner mon vieux. Oh lui faut s'en occuper tant qu'on a encore ça parce qu'il va être trop chiant après. Là c'est fini, malheureusement on doit sortir de ça. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Oula, alors oui. Ok, on peut peut-être l'achever comme ça. On part sur un, voilà, une exécution peut-être. Ok, il est, merde. Où est ce mec? Voilà. Ok, eux c'est bon, ils sont morts. Putain, ça respawn, ça s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Oh alors eux. Alors eux, l'uni-rayon. Ils sont dead hein. Mais bon, il fait trop le malin lui aussi là. Ils sont combien mais. On esquive. Peut-être aller régénérer un peu sur un côté. Non merde, mauvaise qualité de connexion. Non, non, pourquoi? Non. S'il vous plaît. Ok. Comment ça, mauvaise qualité de connexion? C'est le même depuis tout à l'heure. Bon. Hop. Ça spam, ça spam. Alors merde, attendez, on va faire un truc. On va faire un truc. Yes, yes, yes. Tout le temps ça arrive en plein fight, c'est horrible. On va faire ça. Ça.